Les travaux de salubrité publique, communément appelés salons d'eau, de ce samedi 23 juillet 2022 ont été honorés par la participation des élèves officiers de la 16e session spéciale et ceux de la 34e, 35e et 36e promotion ordinaire de l'Académie militaire de Kananga. Venus apporter leur soutien et adhésion au mot d'ordre du gouverneur de province, instituant le salon d'eau désormais chaque samedi, ces élèves officiers ont été déployés au rond-point des Nations Unies, appelé Pax, sur le boulevard Lumumba, l'avenue Luloa jusqu'au rond-point Notre-Dame, en passant par le quartier commercial de Kélékélé, mais aussi sur la cour du bâtiment administratif du gouvernorat du Kassai central. Galvanisé par cet apport de phare d'essai, le gouverneur de province du Kassai central, John Kabayashi Kai, a sillonné les grandes artères de la ville de Kananga, toujours en inspection des dits travaux, sensibilisant toujours et encore la population civile à imiter les hommes en uniforme. John Kabayashi Kai a visité également le grand marché urbain de Kananga en vue de s'enquérir de l'évolution des travaux de réfection de la toiture de la grande boucherie où les tôles usagées sont remplacées par des nouvelles. Très satisfait, il a regagné le gouvernorat pour dire toute sa satisfaction aux élèves officiers qui ont ainsi prêché par l'exemple, les invitant à continuer sur la même lancée désormais, tant sous les drapeaux que dans le social de tous les jours, la nation congolaise a besoin de leur action contributive. Merci beaucoup. Vous avez démontré votre bravoure à tout moment. S'il y a des urgences qui concernent l'intervention de vous, les militaires, soit la police, vous êtes obligés de répondre positivement à notre appel. Les fermiers qui sont à l'œuvre depuis un certain moment sous notre encadrement et cela pour répondre à l'appel du chef de l'État de pouvoir donner suffisamment à manger à notre population. Je suis émerveillé et je crois qu'il y a des raisons à croire que nous sommes en mesure de travailler en collaboration avec nos partenaires pour mettre fin à la rareté de maïs sur le marché local. Le gouvernement provincial a pris la question de l'agriculture au sérieux.